Tafsiru Surati Quraysh. Exégèse de la Surat Quraysh, qui est méquoise. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Li ila fi Quraysh. À cause du pacte de Quraysh. Ila fi him shita'i wa De leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Beaucoup d'exégètes estiment que cette sourate est liée intimement à la sourate précédente, celle de l'éléphant. En ce sens que le Très-Haut Rappelle qu'il a fait ce qu'il a fait des gens de l'éléphant à cause des Quraïchites et de leur sécurité, ainsi que de la protection de leurs caravane commerciales qui partent avec régularité au Yémen en hiver et en Syrie en été. Allah décima donc les armées venues de l'Abyssinie avec des vues bellicistes envers les Quraïchites. Il honora et exalta sa maison sacrée et inspira cette exaltation dans les cœurs des Arabes qui se mirent à respecter les Quraïchites. Et à ne plus les gêner dans leurs déplacements et voyages commerciaux. C'est pour cela qu'Allah leur ordonna de lui rendre grâce en disant Li ila fi Quraish, ila fihim iwassoyf, rabba À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. C'est-à-dire qu'il proclame son unicité et lui voue un dévouement dans leur adoration. elle a'ta'amahum min ju'i min Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Il est vrai que la préservation de la faim et de la sensation de la crainte sont parmi les plus grands bienfaits de ce bas monde qui implique la reconnaissance envers Allah. Si Allah s'est décrit comme le Seigneur du Temple en particulier, c'est en raison de la noblesse et de la sacralité de la Kaaba. Sinon, il est le seigneur de toutes choses.